Du cinéma à présent et la sortie de Belle, un film d'animation japonais très contemporain où une jeune fille s'échappe de sa vie réelle très triste grâce au virtuel. Elle y devient une star de la chanson. Son personnage est doublé en français par Louane qui a été transportée par ce rôle. Jeanne Gerbault et Olivier Levasseur. Quand ma mère est morte, j'étais inconsolable. Pourquoi maman est partie? Elle m'a laissée toute seule. D'un côté, il y a Suzu, une adolescente en mal de vivre, malmenée au lycée et coincée avec son père dans une petite ville. Mais lorsqu'elle allume son ordinateur, la lycéenne se transforme en Belle, personnage virtuel de You, un réseau social où là, elle a des milliards d'abonnés. Bienvenue dans le monde de You. Deux facettes d'un même personnage, pour Louane, qui porte la version française du film, ça a été comme une évidence. Les musiques m'ont complètement transpercée. J'ai rarement vu une production aussi impressionnante et qualitative. Et j'ai rappelé tout de suite mon agent et je lui ai dit, on le fait. C'est pas possible, c'est vraiment moi. Je chante, j'ai réussi. Au-delà des décors somptueux, de la bande son très réussie, le film dégage une poésie permanente. C'est Belle, tu la connais ? Le grand mérite de Belle, c'est aussi de faire réfléchir sur des thèmes modernes. L'omniprésence du virtuel ou le dépassement de soi. Désolée, moi aussi je veux te parler de quelque chose depuis longtemps. Ces deux rôles-là ont des grandes similitudes avec ma vie à moi. À la fois par le personnage de Suzu, qui est une adolescente qui a un peu mal dans sa peau, qui vit un gros drame, que je peux très bien comprendre. Et puis son épanouissement et sa liberté qui lui permet justement de se sentir libre, de se délivrer à travers la musique. Elles sont belles. C'est moi qui m'occupe d'elles. Sélectionnée au dernier festival de Cannes, Belle est un film familial qui fait du bien. Mamoru Osada, le réalisateur, voulait tenter une version moderne de La Belle et la Bête. Le pari est parfaitement réussi. Attends. Mais... Attends. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Prochain journal ce soir, le 19h45, sera présenté.